De retour sur la Pro League, vous êtes bien sûr au Gaming TV, vous le savez, c'est la TV qui poutre. Il faut le répéter, il faut que vous preniez conscience de ça, c'est très important. Imre le sait, fait des mouvements à gauche, à droite, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que tu ne serais pas excité pour Prime Samsung? Non, j'aurais plutôt dit. 3, 0, ah c'est ça qu'il faisait. Ok, très bien, parce que j'essaie de regarder la caméra et pas le retour, donc je voyais juste des mouvements, tu vois, au bord de mon champ de vision. Vision périphérique qui est là, qu'est-ce qui se passe? Il essaie de faire un truc, il se bat avec une mouche, je n'en sais rien. En fait, c'est assez excitant parce que Samsung a fait le seul truc qui peut rendre le match excitant, mettre des joueurs qui sont pas ultra en forme. On a Solar et à côté de ça, on a également un rookie, Armani, qui a streamé. J'ai juste halluciné sur son stream. Le mec aime des mécaniques de ouf. Il fait des moves de ouf et fait des trucs complètement retard. Ah ouais? Genre, des trucs où toi, tu le vois à l'extérieur et tu dis, va s'empaler. Et ouais, il s'empale et il lose la game dessus. Non, non, faut pas faire ça, faut pas faire ça. Et mais, il y va quand même. Mais c'est drôle de voir ça avec des mécaniques d'un mec qui est top 50 Gemcore, quoi. Intéressant. Samsung ici, qui est venu en nombre, tandis que du côté de chez Prime, comme à l'accoutumée, on a 4 joueurs. Hein, voilà, ouais. C'est le minimum syndical. La bonne nouvelle pour Prime, c'est que ça va rapidement s'améliorer vu que l'épidémie de MERS est officiellement terminée. Les Chinois arrivent bientôt. C'est début août. Ah, c'est pour ça que les Chinois ont plié bagages et qu'on les voit jamais alignés. Ouais, c'est ça. Intéressant, oui, parce qu'il y a une crise sanitaire, mine de rien, en Corée du Sud. Ouais, et puis, vu que c'est quand même relativement habituel en Asie du Sud-Est, c'est normalement, toi, l'Européen, tu vois ça, ça te dit pas trop. Tu poses moins de questions. Ouais, à part la grippe aviaire, on n'est pas vraiment, pas vraiment flippé par ce genre de choses. C'est ça. Eux, bah, ils prennent ça plus au sérieux. Et pour, du coup, les joueurs chinois de chez Invictus Gaming, alors, bah, y a Jim, il y a Maxed, et je dirais Shigua. Jim Maxed, et je sais pas si c'est Shigua le dernier dans le line-up. Je crois pas que ce soit lui. Hein. Ouais, parce que ça se regarde, ça d'ailleurs. J'ai envie de savoir. Ok, on va aller voir ça tout de suite. Prime, Wikipédia. Alors, qui sont les Chinois en intégralité qui rejoignent le line-up? Merde, j'ai complètement raté. Va dans le line-up, va sur la Pro League. On va voir. Par contre, on va faire spoil. Ouais, du coup. Bon, Invictus Gaming. Alors, SK Telecom toujours premier, Samsung Galaxy premier, MVP, CJ, bon on a... Bah, et là, c'est le moment où tu t'aperçois que Samsung et SKT font une putain d'opération. Exactement, c'est ça. J'allais dire, c'est pas mis à nous au jour, mais non, c'est juste que le play day qu'on vient de faire, les deux premiers BO5, ne changent rien à la situation de force dans laquelle sont Samsung et SKT. Et ça, c'est en fait, je suis complètement excité, je viens de calculer les deux équipes qui manquent pour le dernier match. Ah bah oui, forcément, oui. Il y a un petit Giner SKT. Là, on prend l'apéro, PPR, on se met bien. Non, mais ça peut être... Ils ont pas... Maxed Shigua, tu crois? Ouais. XY? Non, je pense pas, il me faudrait... Putain, c'est ouf qu'il n'y ait pas de news sur ça, d'ailleurs. Faut aller directement sur Team Liquid. On va trouver la news, on va faire parler de nos skills sur Internet, on voit les winners ranking. Tu veux quoi sur Team Liquid? On va chercher genre Invictus. Après, il y a un mec à suivre sur Team Liquid. Juste Invictus, t'auras plus de chance. Oui, j'ai. Punaise. Invictus, machin, c'est Gentus. Non, Invictus. Alors. Toujours pas IG, du coup. Ok, non. Parce que ça date. IG Jim, IG Yasuno. Ah, c'est peut-être IG... Yasuno. Non, Yasuno fait ses équipes. Non. Mais du coup. Ouais, Shrinkzo, c'est le mec à voir, mais ça date en fait le problème. C'est on voit les petites flèches. On obtiendra l'information après, regardez les flèches. Deux équipes qui logiquement ne sont pas du tout dans leur meilleur moyen, disons-le clairement. Solar qui maintient sa flèche violette, ça fait une éternité qu'il n'a pas gagné un match. Du côté de chez Prime, trois flèches violettes, de toute façon on a pris un 0-3 d'entrée, on a pris beaucoup de 0-3 dans le round 3 aussi, donc pas étonnant de voir qu'il n'y a aucun joueur de chez Prime pour lequel ça va. Et d'ailleurs on voyait dans le Winners Ranking, il y a un joueur de Samsung qui est apparu, Bravo, avec son gros 8-4, étonnant de la part de Bravo, mais vraiment respect à lui, un des joueurs qui profite de la Pro League. Quelqu'un d'autre qui profite de la Pro League, c'est Jerem Sin. @jblantailleur avec Rosé, pas de ketchup, complètement au calme devant la Pro League. Alors, disons-le, hein, le ketchup, je veux dire, il n'y a pas de ketchup, il y a quelque chose. C'est vrai que c'est quelque chose à prendre avec du respect, les pas de ketchup. Mais est-ce qu'on est obligé d'adhérer? Moi, je ne suis pas convaincu. Je ne suis pas convaincu par les pas de ketchup. Les pas de ketchup, là, les pâtes multicolores au ketchup. Ah, pâtes multicolores au ketchup, c'est différent. Ouais. Là, c'est pâtes avec rajout de ketchup à mora dessus. Ouais, hein. C'est ça. Tandis que.
Je suis plutôt petit pesto Barilla perso. Mais... Ouais, voilà, le pesto c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. C'est un peu plus cher aussi. C'est aussi un peu plus cher, effectivement. Ouais. Mais du coup, tu compenses en ne mangeant que des pâtes. C'est ça. C'est une manière de designer un repas par Imré. Alors, Bonk Bonk récent. C'était avant, demi-finaliste. Ouais. De la Suisse Rogue. Et là, ça s'est joué juste avant. Hein. Vraiment, c'était mardi, ce match. Match de mardi, les Coréens qui ont joué la Suisse Rogue, qui ont dû voyager, en tout cas qui jouaient la Pro League, qui ont dû voyager juste le lendemain ou le soir même. D'ailleurs, what the fuck, le jet lag pour les mecs de chez Prime, quoi. Ah, ils ont pris lourd. Ouais, ils ont pris méga lourd, les mecs. Parce que... ça s'est joué jeudi, hein, la Suisse Rogue. Ouais, bah, là, le match est du mardi. Il y a, pour aller en Finlande depuis la Corée du Sud, il faut une bonne quinzaine d'heures. Ouais, et t'as un décalage horaire énervé. Et surtout que ça se joue en soirée, donc t'es le mardi soir, là, en Corée. Have fun. Et Solar, c'est incroyable. T'enlèves son 11-13, tu tapes son 1-13 de cette saison et tu te dis qu'il est 10-14 en Pro League, ce qui est raisonnable pour un rookie. Puis il y a le 1-13 de cette saison. Et le mec, par contre, a paumé complètement les playoffs pour Samsung au round 1, puis au round 2, puis au round 3. C'est ça, hein. En vrai, tu peux pas avoir un joueur que tu as envie d'aligner à tous les playdays, parce que 1-13, faites-vous le calcul, hein, ça fait 14 playdays joués depuis 2014, depuis 2015, pardon. Donc foncièrement, quasiment 70% des matchs qui ont été joués par Samsung ont eu Solar dans leur line-up. Et le problème, c'est qu'il perd tout le temps. Ouais. Il perd tout le temps. Alors là, il est face à Prime. Est-ce que c'est le moment où il gagne une game? Ouais, c'est le moment où il gagne une game. C'est le moment. Sinon, c'est le moment où tu remplaces Solar par Stork. Et d'ailleurs, je suis vachement déçu que Stork ne s'aligne pas. Ben oui, parce qu'il vient de se qualifier. Il est tellement en forme. Stork, il a mis 4-0 à Stats récemment en qualifier. À un moment donné, il faut peut-être t'aligner. Ouais, faut, à un moment donné, la meilleure, je pense, line-up, c'est Journey, Bravo, Stork, Dear. Pour Samsung, sur la forme du moment. Maintenant, là, on est contre Prime. Il n'y a aucun des trois Terran qui sont les réguliers dès qu'il y a un match serré. On a gardé Dear, on a mis Hurricane, qui est pas un manche non plus. Et Solar, qui chie dans la colle, plus Armani. Donc, c'est un peu la B-team. C'est vrai, la B-team de Samsung envoyée par coach Stork cette semaine. Mais en bas à droite, on l'a dit. Quelques jours après ce match, et oui, c'est bordélique, hein, au niveau de la time zone, on ne sait plus exactement où on en est, mais toujours est-il que ce joueur, il a fait une demi-finale en Asus Rogue, un tournoi où aussi, il faut le dire, notre petit Drogoff national est allé en finale, mais c'est incliné 4-2 dans le dernier match. Ici, c'est Bibung, Bibung, Bifor, où si on doit le franciser, on parle d'un joueur dont le pseudo veut dire Prout Prout. Il est en bas à droite, il joue pour Prime. C'est parti. Bifor. Une GG Girl pour Prime, malgré tout, elle a le sourire, ça va. Et en face, il aurait dû éliminer la Pro League de son talent en reste. Il nous aura plutôt fait rigoler, malheureusement, il s'agit de Solar. Ah, Solar. C'est tellement triste, parce que le mec, dans le même temps, gagne une Gfinity, fait un round of fate de GSL, genre, il est pas complètement à l'ouest sur Starcraft 2, Solar, quoi. Non, 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 il est pas dans un trou complet par rapport à sa carrière. C'est juste la Pro League où ça ne fonctionne pas. Et le pire, c'est que l'an dernier, Solar, genre, il a fait un truc insane l'an dernier, il a fini ses études en Corée, genre l'équivalent du lycée. Mm-hmm. En jouant la Pro League, la GSL, etc. Il est full time. Et il doit se taper un morceau de blocage désormais sur la Pro League. Ah bah là, c'est pour ça qu'aussi, on peut comprendre, du point de vue de Stork, qui a l'air d'être un très très bon coach d'un point de vue... gestion de son effectif et mise en place de stratégie globalement, c'est un coach qui fait le travail. Et est-ce qu'il y a un meilleur moment pour Samsung de dire bon allez, on remet Solar dans le line-up, il se fait peut-être une victoire facile contre Prime, et peut-être que le premier de ces nombreux blocages dont tu parlais s'enlève. Ouais, faut que ça soit le déclic. Okay. Faut que ce soit le déclic. Sinon, t'as déjà vu... Ah non, pardon, j'avais pas vu la hatch. Ok, c'est bien, oui. Hatch Gaspool. Je me disais, qu'est-ce qu'il fout avec un gaz à 16? J'avais pas vu. Gaz à 16 et rien d'autre, mais c'est bizarre. Ouais, ça aurait été étrange, non. Bibong, bong, bong, c'est pas... C'est pas une flèche, mais ça fait quand même une demi à la Suisse. Un round of fight pour Keane aussi. Ce qui permet de placer le niveau des tréfonds de la Pro League. C'est ça. Les tréfonds, mais disons-le clairement, les tréfonds de la Pro League peuvent faire de la demi-finale. En tournoi international, même si c'était pas la plus grosse représentation de joueurs coréens du top level, c'est quand même une mise en place et une indication par rapport au niveau de ces joueurs là à ne pas du tout sous-estimer. Alors. Donc ici on est sur Cactus Valley, c'est du ZVZ en bas à droite, en haut à droite, donc position verticale pour les deux joueurs. Et très intéressant, Solar qui a scouté en horizontal
Je vois ça très très rarement. Tout le monde se couteau en vertical quasiment en ZVZ. Et du coup, qui est à l'ouest au niveau du build order. Après, vu ce qui s'est passé, ça change pas grand chose. Il va très vite prendre l'info avec ses deux premiers Zerglings. Par contre, Bong Bong, lui, c'est méga bien sur le scouting alors qu'on était parti sur une pull first. Exactement. Donc, build order plus économique de la part de B4, de Bibung, qui est en train de payer ici. Il va être scouté par Solar. Imre vous l'a mentionné, il n'y a pas vraiment moyen de deny l'entrée de ces deux Zerglings et donc du coup on a la totale information pour Solar, mais bien plus tard que celle de son adversaire qui ici voilà n'a pas la réussite, scoute en horizontal et ne trouve pas son adversaire. Zerglings qui continue d'être chiant au possible et les speedlings qui sont envoyés d'un côté comme de l'autre. Ouais, je vais me dire que le slowing c'est quand même sacrément cute. Genre j'adore la manière dont ça se déplace. Ça se bondine. Ouais, ça fait des petits bonds. Genre un kangourou. Tuit. Kangourou un petit peu énervé. Hein. Ouais. Ouais, c'est le moment où tu dirais que ces deux antennes, en fait, c'est juste des énormes griffes. C'est ça, en fait. Hein. Les mandibules des Zerglings sont en fait des griffes gigantesques, hein, les gars. Hein. Ils sont pas du tout là pour se faire des potes. Tandis que tu vois la Queen, non, ça te donne envie de gerber dès le début. Donc. Directement. C'est une bonne unité Zerg, y a pas de souci. Voilà, et puis ça fait caca des cryptes humains. Hein. Faut le mentionner, ça sort de ce qui ressemble à un anus sur une Queen. Voilà, je veux pas rentrer dans les détails un peu gore, mais c'est pas grave. Banning next des deux côtés, et ce sera B4 qui sera le premier à porter l'agression avec la production de 16 Zerglings ici. 3 drones derrière. Après, Solar, elle a déjà posé sa tumeur. Cette tumeur, elle est énorme, elle permet de voler si t'en as envie. On va voir, hein. Pas convaincu que ça soit le cas, mais ça serait une option assez rapide. Et B4 qui paye 16 Zerglings, fait 2 bannings. Deux bénéliers agressifs m'enchaînent tout de suite sur le T2, donc t'es vraiment sur la toute petite pression pour faire surréagir ton adversaire. Pour l'instant, et il est en train de prendre des risques hein, quand même. Que 10 Zerglings et 4 Banlings en production ici de la part de Solar qui commence à se faire mettre la pression par 2 Banlings. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il faut qu'il limite voilà leur entrée ici des unités Zerg de B4. Bah, on a vu beaucoup d'explosions, mais pas beaucoup de feux d'artifice. C'est ça. Anniversaire des 5 ans de Blizzard Oblige. C'est les feux d'artifice qui comptent. Et du coup, Jekyll qui nous dit que ça vaut pas le don de Pierry, mais l'intention est la même, je vous kiffe vraiment les gars. Et toi, t'as vraiment tout compris. Il a complètement compris. C'est l'intention, c'est ça. Pierry qui s'est dit, oh là là, il y a un mec qui a... Qui m'a pris ma place de top donateur, je veux apparaître en bas, bim, je te mets un euro de plus. Y'a quoi. Mais au fond, ça fait tout autant plaisir, les mecs qui comprennent le délire. On y est. La contre-attaque de Solar qui est en train de faire un petit peu de dégâts ici sur cette Queen. On a deux bannings derrière qui ne sont pas vus. Si, ils sont vus maintenant par le joueur de chez Prime. Il va se débarrasser de la Queen. Ici, un banning qui va détonner pour quelques Zerglings. Ouais, pour quelques Zerglings, c'est pas mal. Le problème là, c'est que ce banning est tellement seul sans son petit frère qu'il peut pas vraiment faire péter des drones du coup. J'aurais préféré qu'il aille dans la B2 du coup. Ouais. Chez B4, la micro est pas parfaite. Hein. Les deux bannings prennent au moins 4 ou 5 Zerglings chacun. C'est un peu dommage. Ouais, c'est un peu dommage. Et du coup, un Solar qui paye son T2 pas beaucoup en retard. Et je pense qu'on va jouer Muta des deux côtés. Et ça devient un peu. Pour le coup, je crois que c'est le truc le plus débile de StarCraft 2, Muta contre Muta, quand tu passes à la faille des Mutalisks. Ouais. Mais avant ça, ça se joue essentiellement aux Zerglings en fait. Tu peux faire la diff avant que les Mutas soient sur le champ de bataille avec tes Zerglings, notamment sur la prise de B3. C'est... Belle pas micro. Mal fait. Belle micro pour Solar. Oula. Bon allez, on se la remet. Ouais. Je suis désolé. Non mais c'est bien. Quand est-ce qu'ils sont passés ces Zerglings d'ailleurs? C'est sur le petit round by tout à l'heure. Sur le premier round by? Ouais. Allez pour le plaisir. 14 juillet, hop là. C'est parti, 6 drones prélevés, très très bien joué ici de la part de Solar qui prend un large avantage économique et qui, comme vous l'a dit Imre, va jouer également Spire. Donc Muta contre Muta, il a vu la Spire. Il a vu la Spire, c'est énorme aussi. Et du coup là, Bong Bong, il pose sa B3 et il va falloir la défendre parce qu'en face il y a un Solar qui fait full unit. Là où lui est obligé, il est obligé de faire les quelques drones hein, pour avoir sa saturation optimale sur de base, attention. Un petit duel de micro ici, B3 des deux côtés. Et Solar qui doit chercher à deny un minimum. Ouh là là. Ah, ils étaient pas anticipés du tout ces banlings, c'est très 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 bien joué. On split 3 Zerglings pour aller se débarrasser des banlings supplémentaires. Pas optimal hein, de la part. Ça aurait pu être mieux. Franchement, c'est pas le meilleur ZVZ de tous les temps niveau micro. Par contre Solar, il y a tellement. Et ça va faire beaucoup trop mal. Y'a rien dans cette ligne de minerai. Et y'a deux banlings qui arrivent. Complètement prendre. Oh, voilà, tellement de banlings, tellement de zérones, pardon, dans le rouge. Ah, il va pas pouvoir les finir, c'est dommage. Mais quand même, 4 banlings qui sont tombés. 2 mutas, 4 mutas. On n'est pas en train d'envoyer la masse production ni d'un côté ni de l'autre. La B3 qui n'a pas été deny ni au sud ni au nord. Mais l'avantage est là pour Solar quand même. Ouais, je pense qu'ils sont en galère de larves en fait tous les deux. C'est-à-dire que ça fait tellement un quart d'heure qu'ils produisent que des Zerglings que c'est dur de banquer immédiatement pour tes mutalisques, hein. faut s'appeler sous, j'ai envie de dire. Y'a que sous qu'on va faire ça en ZVZ. Et attention, là les deux bannings. Ouais, qui vont permettre de défendre cette B3. Ça me paraît vraiment compliqué pour
Boubong, comment tu l'appelles? Moi, ouais, je dis Boong Boong. C'est, boong, pas boong. La, c'est clairement pas la bonne prononciation. C'est pas grave. Mais boong, on comprend boong. De qui il s'agit. Ok, Boong Boong. Mais Bifort, je pense. Qui n'arrivera pas à deny cette troisième base, et ça, c'est très bien. On va populariser le Bifort en français aussi. Moi, j'y crois. Le ouais. B4. Le B4, c'est parfait. B4. B4, c'est parti. Ok. Alors, Muta contre Muta, 9 à 8. Ils ont tous les deux payé leurs upgrades ou il y en a un. What? Plus un d'attaque. What? Et non pas plus un de défense. Pour Solar. Alors, il faut savoir en fait que le plus 1 d'attaque ne va pas se traduire sur tous les rebonds. C'est-à-dire sur certains rebonds, tu auras genre 0,5. Mais t'as pas le plus 1, très clairement. D'accord. C'est intéressant. C'est pour ça que tu fais le plus 1 défense, parce que lui marche sur tous les rebonds. On va rappeler le principe de l'attaque des mutas, hein, qui rebondit tout simplement. Et parlons pour le moment, pour B4, pas du tout de recherche de quoi que ce soit. Oh, il a réussi à sneaky, ouais, là, encore deux Zerglim. Bon, là, il est complètement en vue. Hein. Mais pas d'upgrade pour Boom Boom, je trouve vraiment bizarre. Hein. Après, est-ce que quand t'es pas tellement derrière, tu tentes un espèce de all-in? Muta plus 1 d'attaque? Non, Muta, ok, non, il fait le plus 1 d'armor. Mais genre, si t'es vraiment derrière, je pense que tu peux dire je squeeze un Muta de plus, c'est pas beaucoup, et je tente un énorme all-in en cutant les drones à mort. Genre, il est que sur 40 drones Boom Boom, donc à cause du Haras de Solar, il est déjà un peu contraint ça. 52 drones à 41, ouais, et il est dominé là. Ouais, il est complètement dominé. Run by the Zergling une fois de plus, est-ce qu'il peut se débarrasser de la Queen ou est-ce que les Mutas vont faire leur office? Non. Boom Boom qui perd encore une fois des capacités de production avec la perte de cette Queen. On a eu un contre-agression ici à coup de drone, de banning sur les drones, mais qui a été bien géré hein, de la part de Solar qui n'a perdu que 2 collecteurs. Et là, au niveau du compte de Mutas, 17 à 16, avantage à Solar maintenant. Attention, enfin. Quelques secondes, et là Solar. Je sais que son upgrade est en train de finir 10 secondes avant une victoire facile en Muta contre Muta. Parce que le plus 1 peut pas être optimal, n'importe quelle différence d'upgrade fait complètement le travail. Et il se permet absolument pas de payer des sports hein, depuis tout à l'heure, le bon Boom Boom. Donc là, s'il sait qu'il a plus de Muta, il faut qu'il y aille YOLO, surtout qu'il n'y a pas de sport. Attaquer. La prise de fight qui est là, le run by de Zergling de l'autre côté qui est en train de faire du dégât, on perd toujours plus de drones. Et Boom Boom qui est en train de se faire complètement déboîter. Ouais. On est à combien? 23 Muta à 15, 22 Muta à 15 avec une upgrade d'avance, ça va être un carnage total. Il n'y a pas de sport, aucune défense statique et Solar va gagner une game. Ouais. C'était pas parfait pour Solar, mais c'était suffisant face à Prime. 1-0 pour Samsung, du coup, qui arrive hein, quand tu perds la fight en Muta contre Muta. Soit t'as des infestateurs miraculeux qui arrivent, soit tu as perdu la game dans les instants qui suivent. GG. Wow. Bon, s'il y avait bien une équipe, on savait que Solar pouvait prendre une map. C'était bien contre Prime, mais la satisfaction doit être là néanmoins. Ouais, la satisfaction, voilà. Tu vois, il tire t'as l'impression qu'il a gagné un match ultra important. Ouais. Mais c'est normal, ça va faire du bien à Solar. Le petit salut pour le public. Solide. Solide pour Solar, c'est bien, ça donne des mots d'encouragement, c'est cool. Bravo qui est là juste à côté pour donner un big up à son teammate. Ça, Solar, c'était censé être la superstar Samsung, c'est pour ça que c'est une vraie déception en fait. C'est ça qui est ouf. On s'attendait à voir Solar carry Samsung en playoff, ça sera peut-être pour 2016. Clairement, en 2015, ça n'aura pas été le cas. Il faut rappeler qu'il est un jeune et que c'est un aussi des mecs qui est issu de StarCraft 2, Solar. Solar sur Brood War, c'est zéro, ça n'existait pas. C'est 100% StarCraft 2. Et du coup, c'est peut-être la prochaine superstar de Samsung. Il y en a eu plutôt Protoss quand même. Ouais, historiquement, c'est plutôt la race Protoss qui est mise en place par Samsung. En 2015, il y a eu un bug et il y a quand même du potentiel chez ce joueur. Ouais, c'est un joueur excellent, c'est un joueur très ouvert, capable de très bien s'en sortir d'ailleurs dans un contexte de tournoi week-end type IEM, DreamHack, enfin tournoi européen en fait tout simplement, parce qu'il a un très bon anglais, qu'il est très à l'aise, c'est vraiment un mec très marrant et en termes de talent, je veux dire, il n'y a rien à dire. Non, quoi. C'est vraiment le mec parfait pour Samsung qui a une stratégie de se marketer quand même à l'international, c'est la seule team qui n'est pas originelle où les joueurs peuvent streamer sur Twitch de temps en temps. Tu peux voir apparaître ton petit stream de Journey ou de Harmony, même de Solar des fois, et qui envoient leurs joueurs en LAN. Solar, c'est le joueur parfait pour Samsung. Maintenant, il faut juste que ça colle en Pro League. Contre Prime, ça a collé. On va voir si ça continuera dans le round 4, mais ça va lui faire du bien, en tout cas aux jeunes Zerg. Ouais, aux jeunes Zerg de chez Samsung qui mènent donc 1 à 0. On va avoir une deuxième game qui va être envoyée pas plus tard que maintenant. Terran pour Prime, qui est-il? Ah, on repart sur Prime. Voilà, c'est Kin. C'est Kin qui a envoyé. Lui aussi, on l'a dit, il est en quart de finale. Pour cette Asus ROG qui aura lieu plus tard hein, par rapport à la date à laquelle est jouée cette game. Et il va rentrer en lice face à Hurricane. Pas forcément le joueur le plus aligné de chez Samsung, c'est clair. On parlait de B-Team, c'est un peu ça. Voilà, après Hurricane, ça reste un très très bon joueur. Pour le coup, il a bien fait le travail pour Samsung quand il est venu. On va voir, c'est Wainwright
King, ben, comme tout Prime. King, pour moi, c'est une énorme déception parce qu'il est arrivé chez Prime genre à la mi-saison. Après, en Runa, plutôt réussi de la part de Prime d'ailleurs. Et depuis, c'est pas fou du tout. Hurricane 5-11, c'est pas dégueulasse, mais on commence à s'approcher d'un ratio qui est quand même vraiment pas très flatteur pour le joueur de chez Samsung. Il n'a jamais été aligné en ace, et par contre, il a un ratio positif face à Keane. C'est toujours ça à prendre en compte, parce que je vous assure que si c'est écrit sur un écran, c'est que les joueurs en sont conscients. Ouais, c'est ça. Puis 5-3, en plus, ça a laissé le temps de se foutre un peu sur la gueule, probablement dans des cups online. Alors... Deuxième game. On va être sur Terraform, du coup... Une map très standard pour le PvP, je pense. Globalement, dans les nouvelles maps du map pool, peut-être celle qui reste dans une certaine mesure la plus standard. Ouais, très clairement, c'est pas Terraform, c'est pas la map la plus folle. Hein. C'est juste on a poussé au maximum tout ce qu'on peut faire pour les mouvements, tandis que Nikonas Rox du Gnutu en ce dimanche après-midi. Ah, mais c'est Prime contre Samsung, mec. Tu peux pas test. T'es obligé de subscribe. C'est complètement épique. On est prêt. Dans 5 secondes, on va savoir ce qui va se passer entre ces deux compétiteurs. Alors. Samsung Fighting, bien sûr, en bas à droite, pour la team Samsung, justement, c'est Hurricane. Wallé ! Wallé pour Hurricane, bien sûr. Et en haut à gauche, une des victimes de Petit Drogo sur son chemin vers la finale de la Swiss Rogue, il s'agit de Keane. Solide. D'ailleurs, le peu de... PVT dont je me rappelle du Hurricane, il jouait un peu comme Drogo essaye de jouer, c'est-à-dire peu de braid et tu bourres par contre. Beaucoup d'unités. Ouais, beaucoup d'unités. Dès que l'autre fait une erreur, tu bourres. On va voir si ça se traduit dans cette game et si on aura des stratégies fromagères, d'ordre fromagère dans cette game. C'est une possibilité aussi. Hein. Je veux dire, il y a un Protoss dans la game, il faut le prendre en considération. Prime, pardon, c'est... Excusez-moi, c'est un peu fatigué. Hein. Keane, qu'est-ce qu'il va nous proposer ici au vu de ce dépôt? En tout cas, je trouve que... Ouais, non, c'est bon, c'est CFR. Ce sera CFR. Ouais, quoique. Je suis toujours pas convaincu tant que... Ok. Au moment où il y a le SCV, c'est bon. Mais je trouve que la couleur est très bien choisie pour Prime. C'est celle de leur flèche. La flèche qui va tout droit vers le sol. La flèche Et attends. C'est pas l'ambiance. Il fait Rax 13, Cast 13. What? Non. Fantasy! Keane, que se passe-t-il? Alors, tandis que Play underscore Nikash nous morphe un Grove Overlord, merci à OG pour tous les nice casts et dédicace au Péclan et à McCoy, je lève ma bière avec vous. Il est là! McCoy, ok, qui pèse dans le game. Il pèse depuis 9 ans dans le game en fait. McCoy. Big up à vous les gars, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Alors, Gas 13, Rax 13, on va parler de ça quand même. What? Que se passe-t-il? J'en sais rien. Je comprends pas la logique là. Tu payes un civil. En tout cas, tu payes. Franchement, quand je vois en train de se finir, c'est pas mal. Ouais. Est-ce que tu payes pas ton civil de plus maintenant quoi? Parce qu'à un moment, on va quand même falloir faire ton dépôt rapidement. Ouais. On va voir. J'ai envie de tester en custom. C'est mes genres de spammer et de voir dans toutes les configurations. Voir aussi si c'est par rapport à la map, puisque là on a 3 minerais proches. Du coup, tu mines assez vite. C'est vrai. Ça, c'est très très malin de le mentionner. Effectivement, on est sur une map où le triple stacking est très intéressant. Et parce que là, il fait son Reaper, il paye. Et il va payer un réacteur. Et attends, fais voir, il a encore. Il a 0 paiement au gaz, ok. Tu payes le dépôt maintenant. C'est fait. Intéressant. Je suis pas sûr. Je pense que tu perds quelques secondes sur le Reaper pour squeezer un SCV de plus, qui est un deal tout à fait correct. Il se coûte tard également. Ouais, il se coûte très tard, il se coûte au SCV malgré tout, et le Reaper qui reste très défensif pour le moment pour empêcher l'arrivée d'une éventuelle probe qui pourrait aller prendre l'information sur ce qui se passe en haut de la rampe. Attends, il est sérieusement. Ok, je pense qu'il y a de la décomplétion monstrueuse. Tu vois où il va être mis le 3ème CC? Non, mais il y a un point violet sur un minimap. Oh merde! Oh merde! Oh là 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 là. Ah franchement si ça passe. Est-ce que tu pourrais être plus greedy s'il te plaît Keane? Je pense que tu n'auras pas assez de minerais dans cette partie. Ouais, le seul truc c'est que... Pourquoi pas poser un 3ème CC sur le SOT? Mais alors pas chez toi. Faut le proxy. Faut qu'il soit ici, B4 du Protoss, B3 du Protoss. Toi t'aimes bien la B4 du Protoss. Mais en fait tu vas l'avoir très très tard sur cette map. T'as aucun intérêt d'aller là-bas. C'est là où tu mets des Stargate par exemple. Ou que tu proxies des Nexus quand tu gagnes la game selon Petit Drogo. Ouais, c'est ça. Parce que des fois, il proxie un...
Alors, Stargate envoyé. Et franchement, la Stargate, genre, s'il rate le troisième CC, ça va être hilarant cette game. Ça pourrait se barrer complètement en sucette, on est d'accord, parce qu'avec ce troisième command center, croyez-moi les gars, l'income va être assez élevé, hein, très très rapidement. Ouais, il va tellement miner. Mais je le préfère quasi. Franchement, quitte à payer ton CC, tu le mets ailleurs. Hurricane qui est complètement en train de se faire run-by par un Reaper qui va voir la Stargate. S'il commit jusqu'au bout, non, il n'y a pas de logique qu'il ne le fasse pas. Le problème, c'est qu'il a presque envie d'y aller là. Ouais, mais il a le temps. Hein. Les unités sont à l'ouest. Alors. Allez, confirme. Voilà. Et tu vois même que c'est un oracle. Et ça, c'est cool. Et ce Reaper, non, qui sortira pas. Ce pylône qui suffit à refuser au Reaper la sortie. Hein. Ça s'est pété, t'es sûr? Ouais, c'est complètement ouf, mec. Tu peux pas sortir avec un pylône. Je vous annonce, ce pylône, dans une semaine, tous les protos le font. En Corée, mine de rien. Mais il est déjà fait pas mal, hein. Ouais, et tous les protos devraient le faire, on l'adore. Genre, tu mets ton deuxième pylône ici, ça coûte rien. Ça coûte zéro. Bah ouais. Coûte zéro, efficacité maximale, le troisième en bas de la rampe, histoire de contrer les lions. Par contre, la troisième orbitale qui se termine à 6 minutes 45. Ouais, et il paye Oracle into robot et il est en train de se faire arnaquer. Ça va où ça? Ça va sur la B3. Ok. Heureusement pour lui, hein. Mais franchement, ça va être compliqué, hein, parce que il a la robot, c'est pas comme s'il avait deux gates de plus où tu dis je bourre avec des stalkers, Inch'Allah. Par contre, Kin, ils arrivent à 2 à l'heure, ces marines quand même. Ouais. Et ils sont pas dans la main, il y en a 6 dans la main, logiquement, ouais. 12 sont forcément à l'ouest. T'es un bon joueur prime. Non, là c'est pas de bol, il faut le dire. C'est vraiment. Mais c'est drôle que ça arrive toujours même. Et paye sa tourelle et il est refait. Il est refait, Kin. Ah, et là, économiquement, il est très bien. Et il n'y a pas vraiment, comme vous le disiez Imre, de possibilité pour notre joueur Samsung Hurricane ici, bah de réellement mettre une pression sur cette B3. Donc voilà, il a tiré le mauvais côté du build order et ici il est dans une passivité, il est obligé à une passivité assez massive. Et là même ce scan, il voit beaucoup de choses et il voit surtout l'absence de beaucoup de choses. Il n'y a pas de gate, il doit savoir, hein. Qu'il y a une réponse 3ème Nexus. Ouais, la robot qui travaille, c'est évident que. Bon, des immortels, ça serait presque trop tard. À 8 minutes, le Steam qui va se finir. Et du coup, c'est soit un op, soit le colo le plus rapide du monde. Mais dans tous les cas, tu peux pas grand chose. Attention, quand même, les 4 Stalkers. Mais il est en train de payer ses deux premiers maraudeurs. Dommage, on pourrait avoir mis un petit bunker défensif quand même. Ça fait pas forcément de mal. Et du coup, il prend pas le risque, hein, d'aller défendre. Du coup, c'est dommage. Même, il aurait peut-être pu pull les CV. Je crois qu'il croyait pas à l'avancée de l'armée Protoss. En tout cas, ici, il va le payer par la perte de sa tourelle, peut-être. Ouais, s'il détruit la tourelle, non. Ok, le bon repair. Un seul maraudeur, c'est chaud. C'est chaud pour Kin. Il sait pas vraiment ce qu'il y a. Ouais, voilà, attention, l'aura qui arrive. Il est en train de prendre. Ouais. Il est en train de faire des erreurs, c'est dommage. Ouais, mais ce qui est bien, c'est que ça explique aussi pourquoi on fait pas ça. C'est vrai. Parce que avec 3 stalkers, un oracle, déjà il est en train de mettre une sacrée pression. C'est ça, il gagne le temps qui va bien. Maintenant, on se dirige dans une macro game à peu près similaire du coup. Kin entre l'oracle qui a fait quand même quelques kills et là la bonne pression qui l'a bien ralenti. N'est pas si fou que ça, là il a steamé, mais le problème c'est que sans concussive, même avec le steam, franchement. Oh, il va restimer, je suis pas d'accord avec ça là, Kin. Ouais. Hein. Là je trouve ça dommage d'ailleurs qu'il prélève pas un peu. Bah ouais. Mais ouais. Bon. Juste en fait, le stalker ça va méga vite. Ouais. Avec le steam, tu les rattrapes trop difficilement. Si tes maraudeurs sont pas à l'avant, tu les tueras jamais. C'est trop frustrant. Très frustrant. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un stalker qui crève, quand même, en vrai, tous les terrains du monde sont. Tu te sens à l'aise, quoi. Ouais. Tu te sens bien. T'es là. Alors. Un petit tracker qui décède. Ça fait plaisir. C'est bien. Double marqueur, il y en a un qui est invisible. Et l'oracle qui est toujours en vie. J'ai l'impression qu'il cherche à l'utiliser encore offensivement. Hein. Bah, tiens, il va tomber la 4ème et 5ème Rax. Ouais, ça c'est génial. Ça vaut tellement plus cher que deux SCV. Et là, il y a de la place. Kin qui est un peu à la ramasse. Attention, les marines. 6 SCV. 7 SCV. 8 SCV, cette toile qui est complètement à la ramasse. Hein. Ah, il va s'en sortir, l'oracle. Ok, j'ai un gros doute. Faut l'envoyer. Très, très bien fait de la part du Hurricane. Éviter tout de suite d'être dans une zone où en fait, tu vas pouvoir te faire attaquer par des marines, notamment boosté par un Medivac. Kin qui rajoute un deuxième starport très très rapide, une seule IB. Et il avait pas relancé la production de la 5ème baraque, hein, donc du coup il est vraiment late sur son timing de production. Et Hurricane, est-ce qu'il a vu le deuxième starport? On va prendre l'info juste après qu'il se débarrasse. Non, ok. Parce que là Kin c'est le build order pour SCV pool par excellence. C'est le chouchou par excellence. Hein. T'as deux bases, trois bases très vite, t'as beaucoup d'SCV donc t'as une production de sac ultra rapide et t'as beaucoup d'SCV donc. 4 medivac, tu fais tes 5 racks et tes 2 starports le plus possible, t'enchaînes juste sur ton 1.
Attention, le Zelot qui arrive, là, ça semble compliqué de faire beaucoup de dégâts avec Zelot. Sauf qu'il y a quelques sévies dans le rouge, faudrait taper les bons. Keen, ouais, qui réagit bien quand même. Deux sévies, belle réaction de Keen, qui avait des unités en place. La partie de son armée qui est estimée ici. L'Orak qui revient, qui va choper. Franchement, c'est Zorak qui fait un travail incroyable. Deux SCV, c'est hallucinant. Après le travail d'Hero qui avait été excellent aussi contre Bomber, mais là on a vu des Protoss avec des Zorak en PVT. Putain, Hurricane, il voit des choses. Ouais. C'est très très beau. Très très propre. Il a 4 Ops, j'ai l'impression. Non, il y a que des pylônes. Il y a que des pylônes et des Zelotes par contre. C'est le point. T'as vu l'Orak qui tombe au nord. Ça, c'est bien. Phoenix halluciné probablement qui vient de décéder également. Et là, Keen, il doit être prudent avec ses unités. Il faut enlever un maximum de marqueurs, mais être très prudent parce que t'en veux un maximum quand tu vas sortir les CV. Il défend comment? Ok, Mass Gate et Mass Stalker Colosse. Faut qu'il paye sa charge, le bon Hurricane. Ouais, il faudrait qu'il le fasse très vite d'ailleurs. Ouais, parce que ça. Quoi? What? Armurie, deuxième eBay, ok. Tu peux très bien jouer un bunny, je joue tout le temps comme ça, mais je suis surpris tellement c'est télégraphé sur la sortie de SCV, tout ce qui s'est passé avant. Par contre, c'est bien timé, hein. Il va pouvoir enchaîner sur son 2-2 assez vite. Petit run-by ici qui va gratter un stalker pour le prix d'aucune unité. Très propre, les vikings qui sont en train d'arriver. Ouais. Donc on a déjà un timing d'attaque intéressant et on va développer sur un 2-2. Enfin, je veux dire, globalement, ici Keen, il n'a pas été vraiment puni même s'il a été mis sous pression par l'oracle. Et il a une production massive, il a 60 SCV, il a un income de porc. C'est pourquoi ça, mais... pas jouer réellement la macro game? C'est peut-être le moment où tu peux le faire. Ouais, moi ce qui me déçoit toujours quand je fais ça, c'est que je me dis si j'avais pris mes SCV quand je fais cette attaque. Ouais, bah ouais, bien sûr. C'est ça. Parce que là, il y a un potentiel d'empage. Attention, un colosse, deux colosses qui tombent immédiatement. Hurricane complètement hors position. Non, le colosse qui a survécu. Oh là là. Et soudainement, cette fight qui paraissait tellement bien commence à devenir vraiment compliquée pour le joueur Prime. Ici, les vikings au nord qui ne sont pas débarrassés. C'est encore d'aucun des deux Colossus. Le Colossus du Sud qui tombe. Il a donné quasiment toute sa pop. Et là il va se faire blinker sur la gueule. Ça va coûter très cher. Ouais, ça coûte cher ce genre de fight. Et donc on en revenons à la question. Qu'est-ce qui serait passé si j'avais pris les CV? Parce que ça va pas mal commencer. Tout d'un coup tu dis que le Protoss, ben, c'est un Protoss qui en upgrade à poil aussi, hein. Enfin il a son 2-2 mais il l'a mis tellement tard. Et qui donc logiquement a des unités. Et là ben, Hurricane il remporte une première victoire. Maintenant ça n'a rien de décisif puisqu'on a eu Erax en face, on est bien. Par contre, il paye une B4 bien bientôt, le bon joueur Protoss, et lance la Storm. Ouais, la Templar Archive qui s'est terminée, donc la technologie Tempête Psionique, bien sûr, qui commence à être recherchée. Et vous le savez comme moi, ça peut faire très très mal. Mais on est en train d'accepter la réelle macro game côté Keen, puisqu'on pose aussi la Ghost Academy. Donc du coup, on va fighter les Templars avec des fantômes. Pas de problème ici, on n'a pas perdu de Medivac. J'ai été étonné d'ailleurs de l'absence de Blink offensif derrière, hein, de la part de Hurricane. Et ici, attention les gars, c'est une vraie macro game qui est en train d'être mise en place, mais cette B4 pour le proto, si elle passe, ça va le mettre vraiment très très bien. Ouais, ça va le mettre vraiment bien. La B4 là, celle-là va se faire nuler, c'était une pro. Enfin le SCV avait aucune autre raison d'être là-bas que cette B4. Et Keen qui repaye beaucoup de Medivac, il a guère. Ce qui est pas mal parce que je crois qu'on refait pas tant de colosses que ça. Hein. Ouais, deux colosses seulement. On rajoute des ops. Et on va du coup vraiment compter sur Ice Storm. Vous avez vu à quel point il essayait de masquer là le bon joueur Samsung, il essayait de masquer au maximum le fait qu'il avait des Templars. Quatrième CC qui va être produit dans la B3. Tellement tard par contre par rapport à... Super tard. Au quatrième Nexus de Rinken qui a eu une excellente décision. Elle a vite compris qu'on se dirigeait vers une macro game tout simplement, il n'y avait pas de SCV avec ce timing. Quatrième Nexus instantané qui te met super bien puisqu'en proto, Suiga, tu vas en profiter pour pleinement. Alors, sauf que je crois qu'il y a un parking de Viking qui attend en haut. Exactement. Salut. Mais chute, faut pas le dire. Ouais. On va voir s'il a bien les yeux dessus, hein, le joueur Samsung. Il y a peut-être pas vraiment, franchement. Non, il y en a un qui a bien les yeux dessus, par contre, c'est. Kim. Allez, 600 minerais. Raté. Non. Ah, il va l'avoir avec ses Marines. Ouais, les deux Marines ici. Bien fait de la part de Keen, qui en même temps met la pression ici. Raken qui était bien en position d'ailleurs. Il continue avec les autres, mais genre un par un quoi. Ouais. Et à chaque fois, ça fait 2-3 SCV, pourquoi pas, hein. Ouais, bah moi, j'adhère. C'est rentable et ça taxe en APM en plus, hein. Ouais, carrément. Parce que c'est pas une gestion facile, hein. 3 Zélotes avec le 2 d'armure comme ils l'ont maintenant et le 2 d'attaque. Il faut le prendre au sérieux. Attention, maintenant sur Terraform, les déplacements d'armée, c'est complètement n'importe quoi. Hein. Ouais, c'est un truc de ouf. Là, il y a des unités partout. Les Divacs sont chargés, ça j'adore. Ouais. J'adore parce qu'il est pas en place. Avec les Blinkstalkers et les Colossus, il peut aller vite par contre. Ouais, j'allais dire, il est pas en place, mais il est juste à côté quoi. Et du coup, il était excellent en fait ce positionnement d'armée de Riken, puisque instantanément, attention, feedback. Il y a feedback. Quasiment que du Medivac, oh là là, quadruple feedback. Il faut qu'il blink dans les Medivac là. Ouais. C'est fait. Ah, il va tout perdre.
Oh, le dernier qui s'en sort. Heureusement pour lui, est-ce qu'il warp un stalker ici, il fait quelque chose? Non, au nord, il s'est fait repousser par des ailes de charge, il avait pas la PM pour les kiter. Il a perdu sa Templar ou pas Ouais, ouais, il a perdu la Templar Archive, okay, mais pas la Storm. Non, mais c'est pour ça qu'il ressort instantanément dans la marque production. On s'est calmé au niveau des upgrades des deux côtés, on est très très lent. Ce qui est vraiment la marque moderne, je trouve, du TVP. Ouais, personne ne rush vraiment les upgrades. Et on prend un gold pour une. On va essayer de se mettre bien. Random Sentry qui fait demi-tour. C'est génial. À tous les niveaux, même à ce niveau-là, t'as énormément de fails sur un déplacement d'armes. Ouais, sur cette carte, mec, c'est quasiment impossible. Faut la babysit. Hein. Ouh là là. Le goulot d'étranglement qui, pour l'un et pour l'autre, peut faire mal. La première OMP qui whiff qui ne touche pas les Templars par contre. Tous les civils du mauvais côté, la lutte de Zelot qui arrive. Qu'est-ce qu'il a là-dedans? Oui, oui, live. Un ghost. Un ghost, est-ce que tu me vends du rêve? Non, non, par contre. Oh là là. Ouais, non. Denied. T'as essayé, hein. T'as essayé, c'était un amateur. Swag, les mecs. Il est en train de passer là. Oh là 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 là. Mais ils me font toujours flipper les gens à gauche dans ce boulot. Arrêtez, c'est juste pas possible. Dans aucun match-up, tu peux. Mais il est en train de le faire. Non, mais il y a trop de ghosts. En fait, le problème, c'est que ces Templars ont aucun moyen de passer cette choc sans se faire en MP. Dark Shrine envoyé par Hurricane. Pourquoi pas? C'est bien. Et par contre, on est en train de produire une pop assez solide hein, chez Keen. Ouais, ouais, il y a beaucoup de ghosts là-dedans. Enfin, il en a perdu quelques-uns. Il en avait plus 5-6 tout à l'heure. Il en a plus 3, mais il en refait 4. On a une bonne composition au niveau marine, au niveau compte de Viking, pardon. C'est pas mal. Par contre, on a j'aimerais voir une toile de détection aussi. Hein. Ouais, voire deux. Une de chaque côté, parce que là, c'est un énorme bail de chargeotte. Ça va pas être géré. Ça va arriver directement dans la production. Et du coup, ça va libérer de la place. C'est géré, excusez-moi. Ben, pour le grillage ici. Grippin sur la gold. Blink dans la PF. Blink dans la PF, en manque de respect total. C'était d'ailleurs une très très mauvaise idée de la part de Hurricane qui va choper la PF, mais qui ça lui aura coûté quand même 4-5 stalkers qui, selon moi, n'avaient pas besoin de raison de donner. Oh là Le plus 3 non, non, c'est pas le plus 3, c'est de l'autre IBS. C'est l'autre IBS qui produit plus 3. Le War Prism qui a rejoint le Warpin de Zelot, enfin le run by de Zelot. Ça se barre complètement en sucette. Il y a des Zelot à cet endroit-là, ce qui va pouvoir, il contre-attaque. Et pas mal ça pop ici, il est complètement en position. Hurricane qui par contre a du fric, mais je crois qu'il est passé de gate, il est en train d'en rajouter 6. Il en a 12. Ouais, 2 aussi, 12 gate, y a pas de soucis. Ok, là-haut il y a des storms. C'est pas mal géré hein, pour l'instant parce qu'il se débarrasse d'un Templar. Par contre là, oh là là, les Arcontes. Ok, il va falloir compter sur les storms pour Hurricane, la douche. Oh bah ça va, hein. Ça se passe pas trop mal, hein. Il fait pleuvoir les storms. Il y a rien, va falloir warper. Bah il attend peut-être toutes ses gates pour warper 12 Zelot, c'est ça? Je sais pas, en tout cas il temporise très longtemps. Ici les Zelot qui commencent à être warpés, c'est du Zelot 3-3 dans quelques instants. Ça passe pour Keen. Ça va passer pour Keen. Attention, oh, l'OMP sur les 3 Templars. Par contre, il y a des Archons maintenant, il n'y a plus grand chose. Est-ce qu'il va pouvoir tenir avec le War Award de Zelot et d'Archon? Ce serait tellement dur pour Keen qui est en train de jouer une excellente game avec cette contre-attaque en mid-game là. Il reste une Storm, mais oh, il y a tellement de ghosts. Il y a tellement de ghosts. Il va faire pleuvoir les OMP. C'est maintenant. Oh, ça, ça passe. Ça passe pour Keen qui est en train de jouer une très très bonne macro game et qui va s'imposer face à Hurricane pour égaliser. Et sur B3, il est en train de jouer cette game sur B3, c'est un truc de ouf hein. Et là le pire positionnement de l'histoire de l'humanité pour le joueur Protoss qui va devoir fighter avec les props contre la bio overestimée, mais le problème c'est qu'il y a quand même énormément de medivac en haut. Et Keen qui joue une game très très propre et qui arrive sur B3 à faire tomber un Protoss qui est sur B5 quand même les gars. Ouais c'est ça, et là Keen il a juste un max, une prise de fight et on a vu hein, la map très très compliquée à jouer pour toutes les races, il n'y a pas de surprise à ce niveau là. D'ailleurs Hurricane là qui a perdu un peu les pédales et maintenant faut tuer tous les pylônes parce que ça fait, il faut warper des DT un par un dans ce genre de truc. Lol, c'est plaisir le Colosse quand même. Ouais et là il a quand même fait du sacré DPS avant de mourir. Hein. Attends, ne vendons pas la peau du Protoss le plus rapide. Parce que il a du fric, hein. Il a du fric, il a des bases, s'il perd cette base, c'est pas la fin du monde. Il a 1300 d'income contre un joueur Terran qui est qui repose à peine B4. Bon, ici il a géré. Hein. Ouais, il y a quand même une grosse pop. Et là, ça commence à sentir l'Arthosis Pylon. Là, on a au moins 7 ou 8 gates qui ne sont pas utilisables. Au nord, il va essayer de se défendre, il va tenir la B3. Attention, on voit la part de production, c'est très très faible des deux côtés. Et ça dépend du nombre de scans aussi. Parce qu'il y a encore 2 DT, même si on s'est débarrassé de la Dark Shrine. Ok, les Zelot là, la contre-attaque c'est pas mal. Hein. 2 Zelot, ça aiderait pas forcément tant que ça dans les défenses. Faut envoyer les DT et compter sur eux. Ouais, le positionnement, il y a les EMP, il y a les scans aussi, il est en train de warper. Est-ce qu'il y a des EMP? C'est qui défend? Il est en train de défendre. Et il a de la thune. 46 probes, 1400 d'income minute. Ouais, il a une gold aussi, le bon Hurricane. Ouais, mais il a pas beaucoup de probes dessus. Hein. Et la gold est pas hyper ici. D'ailleurs, il devrait la sniper tout de suite, Keen, je pense qu'il se dirige vers ça. Les props 5x5, ça va le remettre bien, mais c'est d'une armée dont il a besoin maintenant, Hurricane. Ouais, il faudrait au moins. Il a perdu sa robot aussi, je crois qu'il en avait deux, il a perdu les deux. Ouais, il a perdu les deux. Ou alors elle est unpowered dans la main. Non, il a perdu la deuxième robot. Ouais, il a vraiment fait mal.
Anakin qui arrive sur le Nexus. Il n'y avait pas de Mothership Core, oh, pas d'overcharge. Clic droit en plus là de la part du joueur Samsung, quelle erreur. Bon, les Zélotes et les Archontes qui sont en train de faire mal quand même. Hein. Ouais. Mais ça suffira pas, je pense. Non, ça suffira pas. Là, c'est en train de penser, il va pouvoir quitter. Okay. Et désormais, il n'y a plus vraiment de banque. On va pouvoir tuer une nouvelle archive des Templiers. Troisième qui va tuer de la partie. Du coup, il a lancé 5 Templars le plus rapidement possible. Le positionnement qui n'était pas effectif. Qu'est-ce qu'on fait? On fait des Archontes pour défendre. Parce que là, réellement, il n'y a pas vraiment d'autres possibilités. Ouais, le scan au nord qui révèle cette base. Il va falloir pull les probes. C'est une chose qu'il est en train de faire ici. Mais il n'y a plus de robots. Il n'y a plus de possibilité de sortir au moins un ou deux Colossus qui pourraient tellement changer la donne. Il n'y a plus d'armée. Kin qui a juste fait voler ses bases une par une. Hein, les CC de la première et de la troisième base qui sont arrivés sur de nouvelles bases, garantissant un bon income pour le joueur Terran qui se débarrasse de l'intégralité quasiment des Nexus du joueur Proto. Il ne reste plus que deux qui n'ont plus aucun minerai. Et du coup, pour Hurricane, c'est la fin. Prime va marquer un point et égaliser. Prime, la hype est réelle. Et le point va être marqué. Et ça, c'est très très propre. Il va pull les probes, il va pull les avec ses Templars, avec des Storms. Mais bon. Ouais, il n'y a que des Marines, mais quand même. Oh, ça fait mal, mais. Mais il y a également une autre armée dans ce B3. Hein. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Il y a cette armée. Bon. Héliportée. C'est vachement bien, Storm, quand même. Ah oui, c'est surtout c'est que bon, bon les splits de Kin sont bien dégueulasses. Et là, le bunker, bah, le bunker il meurt pas sur des Storms. Bon, il va mourir sur. Il va mourir sur des probes et des Zélotes. Zélotes. Mais ça permet de bien temporiser. Non, il peut pas gagner cette game. Attends. Non, mais il est pas Terran. S'il était Terran, tu dirais que oui, peut-être en faisant voler tous mes bâtiments. Là, ça semble compliqué pour Hurricane. Ça va être complexe. Ça va être complexe. Pendant ce temps-là, la destruction de l'armée, enfin de la base du joueur Proto, c'est en train de se perpétrer. Il y a un Archonte de plus qui est en train de se warper, c'est ici sur le champ de bataille. Les probes qui tankent. Mais il n'y a pas vraiment de DPS derrière. Il n'y a plus de. Ah, il a perdu un Archonte ici. Il n'y a plus de Nexus. Ça y est. It's gone. Ouais, non, c'est bon. Même là, en quittant, normalement, ça le fait. Au pire, tu remontes. Il y a trop. Ouais. Tu peux pas quitter ça. Hein. C'est de l'Archonte 3-3, hein. C'est de l'Archonte qualité, mec. Hein. Attention, hein. GG quand même. GG. De Hurricane. C'était close. Kin qui a réussi un exploit, gagner une map pour Prime. En Pro League. En Pro League. Solidité. Et du coup, là-bas, un Kin qui était en forme avant d'arriver à l'Asus. Enfin, pas forcément. Non, il joue une très très bonne game, y a rien à dire. Hein. Il accepte le macro game, il la gagne, propre. Très très bons EMP quand même, il aura balancé beaucoup de gros EMP. Un Hurricane peut-être trop confiant, pas assez patient. C'est quand même, je trouve, un match où. Un match-up où en late game, il faut être patient des deux côtés. Hein. C'est pas si simple que ça à côté Protoss. Tu peux pas juste YOLO et prendre des engages à travers un petit choke comme elle essaie de le faire. C'est vrai qu'il manque de patience et ça lui coûte parce qu'on le voit, à un moment donné, c'est une position très 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 positive pour Kin qui lui permet d'aller directement dans les battes de production, prendre une fight contre une minorité de l'armée. 4 Templar Storm avec de la Storm qui, s'ils sont au sein de la composition, peuvent faire la différence avec l'appui des Colossus et des Zélotes au corps à corps. Là, ils sont pris au dépourvu et tout ça va très très vite et soudainement, et on le répète hein, à ce moment-là, Kin il est sur B3, il a perdu sa PF sur sa B4, il est dans une situation un peu dramatique, il vient de prendre un run by de Zélotes et DT dans la main avec un War Prism et des Zélotes au sol. Une game qui paraît vraiment dans la main d'Hurricane, surtout vu l'écho qu'il a, et il prend pas son temps. Et c'est ça qui lui coûte. Bien joué. Elgardi, là, qui est dans son jardin ou dans un bois, je sais pas trop, avec une petite. La vraie table en bois, tu vois, qui a vécu la guerre. Qui a vécu la guerre, exactement. Avec son sauciflard et sa petite baguette sur sa tablette, le mec se met yimbe. Et j'espère que vous êtes aussi. Que tous autant que vous êtes, vous mettez bien pour cette Pro League en un dimanche. Vous le savez, c'est rare. Hein. D'habitude, c'est le mardi, mais aujourd'hui, c'est dimanche parce qu'il y avait quand même beaucoup de contenu, notamment les WCS en début de semaine. On est à 1 partout entre Prime et Samsung. Je vous propose qu'on fasse une petite page de pub et on se retrouve juste après pour la suite de ce Clan War. A tout de suite. Et on y est toujours sur Prime versus Samsung. Content de vous voir toujours là, toujours aussi nombreux. Vous l'êtes, ça fait plaisir. Ouais, puis événement rare, on reprend un peu la pause d'un match de Prime. Il n'y a pas de zéro. Il n'y a pas de zéro. Le manque de respect, Imre. Ah là là. Ouais, si nous entendait, t'imagines s'il nous entendait les joueurs de Prime. J'aimerais savoir d'ailleurs à quel point les commentateurs coréens sont durs avec Prime. Ouais, parce que pour c'est pas possible d'ignorer le truc en fait. Pour les netizens coréens, il n'y a pas de souci. Tu fais un pas de travers, tu te fais détruire, donc Prime doit prendre cher. Mais au niveau des commentateurs, c'est vrai que je suis curieux. Et là, on voit un Yoda. Yoda avait bien commencé. Pareil, ouais, Yoda, rookie, hein. À peine plus de 20 games en Pro League, historiquement. Il avait bien commencé en prenant de bonnes cartes face à des joueurs, mine de rien, pas dégueulasses, notamment au round 2. J'aimerais te retrouver, mais en jouant des mechas un petit peu dégueul et tout, il nous avait fait des trucs sympas.
Puis là, ça va plus pour Yoda. À nouveau, la flèche violette pour encore un joueur de Prime qui est une flèche violette. Par contre, 4-0 contre Armani. Ouais, 4-0 contre Armani, ça va bien. Et du coup, pour Samsung, ça pue. Parce que franchement, Samsung, le truc, c'est qu'avoir 3-0 de Giner, c'est très bien. Si derrière, tu peux me Prime, t'as fait ça pour rien. Ouais. On le voit ici, Armani. 2-2 en 2015. C'est vrai que de pas envoyer au minimum bravo, moi je trouve ça un peu dangereux quoi. Après je pense que tu dis si t'as sur le 3-2 t'as gagné quoi. Enfin le 2-2, mais bon. C'est un BO1 quand même, hein. Je sais pas. Ouais, on verra. Après, c'est en Pro League, tout est possible. Et Armani du coup 2-2 c'est pas mal. Hein. Et je pense que Samsung de toute façon, il a une équipe où en fait, ses deux stars, Solar et Dir, perf pas ouf. Et Solar complètement dégueulasse. Et du coup il a fait énormément tourner. Il a désormais sa line-up type avec ses trois Terran et Dir, mais le reste, c'est dur de savoir qui est bon, à quel moment, dans quel match-up, etc. Parce qu'il fait vraiment tourner. T'as très peu de gens qui ont beaucoup de games en 2015 chez Samsung. Ouais, en fait, ça tourne avec une line-up qui maintenant est découverte, tu l'as dit, tu l'as mentionné. Mais elle a été découverte au round 3, quoi. Ça. Mais ça manque encore d'un ace réellement, tu vois, de quelqu'un qui va t'apporter ton point 80% du temps. Toute équipe de première partie de tableau a besoin de quelqu'un comme ça. C'est je pense. Ça. Et pour Samsung, clairement, c'est de dire si c'est lui le meilleur joueur. Mais bravo, j'étais impressionné. Après, bravo, ça reste. Il a aussi des bonnes stats parce qu'on lui donne des bons match-up, quoi. C'est ça. On lui donne beaucoup de TVT et il est expert dans la matière. Vous entendez le groove monter. Sous-entendu, la game va bientôt arriver. Prime Yoda, Samsung Galaxy. Armani. D'ailleurs, badass comme Nick, je trouve. Des deux côtés. Yoda et Armani, t'aimes bien ? Armani, j'aime bien, genre le random marque. C'est pas le random mot en anglais, comme souvent. Genre zest. Is best. Je trouve dur. Hein. Mais je vais laisser passer ça. En bas à droite, il était dit d'ailleurs de ce joueur, à l'époque où il jouait pour Incredible Miracle, que c'était le meilleur joueur de l'équipe, en tout cas en training. C'était MVP qui le disait. Et lui, c'est Yoda. On est d'accord, cette information a été dite. Hein. Et validée par le fan club de MVP. Très bien. Et en haut à gauche, il a fait quelques tournois inter sans plus de succès que ça. Pas non plus des masses de succès en Pro League. Il est approuvé par Bob Coulbier. Il s'agit d'Armani. Qui du coup, indirectement, Rox du Gnutu. Ah mais Armani, Rox du Gnutu, y'a rien à dire. Je sais pas s'il a sub. Je crois qu'il est sub. Hein. Franchement, le jour où il y a Solar qui sub, je suis méga fan. Samsung Solar has just subscribed. T'es là. Ah bon ? Très bien. Alors, qu'est-ce qu'il va nous proposer, Armani ? Ouais, normalement, c'est la poule faire sur cette carte. Ouais, normalement. Après avoir. Ça va jouer. Non, on n'y est pas encore. Ça va jouer Reaper. Reaper 12 pour. Enfin, en tout cas, Rax 12. Ne partons pas trop loin. Rax 12 pour le joueur de chez Prime, Yoda. Donc pas d'abus du fait que la carte est très très petite par distance reaperienne, si vous me permettez l'expression. Et gaz 12. Rax 12, gaz 12. Ouais, et en face... Watcher, je pense. Bonne opération pour Armani. Ça, c'est vraiment les petits trucs où tu prends des petits avantages ou des petits retards de manière complètement... J'ai pas envie de dire complètement blind sur ton Pro League où tu prépares, mais à un moment, t'as une prise de risque où dans cette game-là, t'as pas d'information. C'est un peu arbitraire. Ouais. Voilà. C'est genre, bon, allez. Il n'y aura pas de Rax 11. Hatch first. Boom. Après, je pense, voilà. Et du coup, logique. Par contre, Hatch 15, pool 14. Oui, à un moment donné, il ne faut pas trop lancer la pièce non plus. C'est hein, ça. Comme Bob Moran 666 qui rocks du Gunchu, gros pseudo. Je suis assez fan. Merci à toi. Bien, merci à tout le monde. Hein. Ça enchaîne pas mal depuis une petite semaine. Beaucoup de subscribes, beaucoup de donations. Ça fait vraiment plaisir. Ouais. Et ça aide vachement la structure, il faut vraiment, vraiment que vous en ayez conscience. Le SCV qui va aller scouter. Et normalement sur un Rax 12 tu vas t'arrêter à 1. On va voir s'il va choisir. On voit pas de deuxième dépôt donc la logique c'est qu'on aura le CC et on va réacteur derrière. Il y a qu'Innovation qui est assez badass pour faire Reaper sur Rax 12. Le trick était d'en rajouter un troisième en fait. Après avoir fait le réacteur et d'abuser des rampes, tu peux faire ça sur Vani. Ou 3 Reapers et 2 Lions qui arrivent vite, mais alors, va descendre ta rampe avec tes Queens et tes Zerglings. Vas-y, fais 20 Zerglings pour rien. C'est le Reaper qui va pénétrer dans la main. Pas de Queen pour le moment. Ce n'est pas une pool first, une hatch first. Ouais, donc voilà, on le voit. Hein. Franchement, contre un Raxus, ils arrivent tellement vite les Zerglings du coup. Ah, c'est bien. Avec la pool à 14, attention. Armani, la petite micro. Ok. Solide.
peu risqué quand même. Je trouve que c'est mieux, voilà, de le back quand il le dérange. Là, t'es pas à l'abri d'une petite danse. Voilà. Yoda qui va choper un kill. Est-ce qu'il en chope deux? Il est bien parti. Le bon target. Il avait cliqué droit dessus, hein, mais la Queen est sortie pour lui dire ouais, reste tranquille quand même. Ouais. Et j'aime bien ce qu'il fait là, Yoda. Rester dans les parages avec le Reaper. Bon, là, t'es un peu obligé de t'enfuir. Ah, là, il y a un moment donné où il faut que tu reviennes dans ta main. Tu fais alors attends, où est-ce qu'on en est? Ok, la Racta Facto, très bien. Le CC qui va se terminer. Alors, c'est encore le fun d'Isle of OV. J'adore l'analyse de vos casts, c'est rafraîchissant. Par contre, clear le chat plus de 2 minutes est insupportable. Personne n'est à même de parler sur la balance du jeu sur ce chat, ça n'a aucun sens. Mais as-tu déjà vu un chat qui a du sens? Ah, moi, la dernière fois, il y a eu un chat qui m'a fait mourir de rire. C'était pendant la Sus Rogue, le premier joueur. Avec Anos qui émule. Oui. Oh là là, c'était tellement. Et je crois qu'un des meilleurs chats aussi, c'était suite à la citation d'une personne que tu connaissais bien, Midas Touch, qui s'était plantée. Ouais, qui avait dit une citation pourrie. Ouais, qui était pas genre du tout qui s'était trompé sur l'attribution. Et le chat était en mode citation. D'abord. Citation foireuse, puis ensuite citation très drôle. Très bien. Et notamment. Ma préférée, alors je sais pas qui c'est, je suis désolé, mais c'est quelqu'un du chat. Hitler, j'ai sous-estimé le drop sur Normandie, GG. Ah les cons. Je suis désolé. Ah putain. C'est facile, mais c'est beaucoup trop drôle. Très très bon, très 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 bon. Je vous ai rien à dire. Le Reaper qui prend position là au niveau de la location de la B3. De la localisation de la B3, pardon. Vraiment la fatigue, c'est chaud. Hein. Et par conséquent, voilà, information glanée hein, de la part de Yoda. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de volatilité d'aller très très vite vers une troisième base. Souvent, ça indique un fast tier 2. Ça tombe bien, c'est le cas. Ouais, j'aurais plutôt tendance à dire cafard parce qu'on est parti quand même sur une poule sans gaz. Et du coup, on n'a toujours pas speed. Et alors, combien de cafards on va faire? Comment on annulait la spine? Alors, il a vu quelque chose ou c'est juste qu'il n'a pas vu beaucoup de... Il a vu 3 marines, si ça peut te donner une information. Ouais. Bah il est confiant. Sur les timings et le bat, là je vais toujours faire confiance au pro-gamer. C'est vrai que parce que pour le coup, bah on n'a pas le speedling, on n'a pas de banning nest et on n'a pas de spine crawler. Donc c'est vrai qu'en cas de... Mais je pense qu'il a call 6 minutes 50, c'est pas arrivé, ça viendra pas. Ce qui est le bon call accessoirement. Il a fait combien de Helion, Yoda? 2 je crois. Ouais c'est ça. Ouais, seulement 2. Ouais. Bon. C'était la bonne chose à faire, et du coup, Armani, il va jouer simple, pas compliqué. Va-t-il nous faire une Zanster? Il a oublié sa Starport ou quoi? Faut la rajouter maintenant? Bah ouais. Bah maintenant là? Tu l'as fait sur le deuxième réacteur de la Falco. Mais il faut la rajouter. Voilà. Et okay. T'auras ta Starport en même temps que ton réacteur. Très bien. Et il est chelou parce qu'il fait que 2 Helions. Son build. Normalement, tu payes au moins 6 Helions. Après, c'est 3 racks qui sont déjà là vachement vite. Hein. Par contre, le niveau de hype est insoutenable. Oula, insoutenable! Insoutenable, ça a été dit, putain! Non, mais franchement, Armani m'envoie beaucoup trop du rêve. Il va jouer fast road du bureau, quoi. Fast avant la speed. Oh là là. Oh, si c'est pas vu, t'installes lose la game. T'as des cafards dans tes 3 bases. T'as pas encore de tourelle. Et juste, ça met un quart d'heure à mourir, ces merdes. Une fois que c'est enfoui. On l'a vu avec les photons qui ramaient plutôt pour tuer un cafard. Incroyable d'ailleurs. Ouais. Alors là, pour Yoda, par contre. On voit la troisième match positionnée, on voit des roaches à côté. Il y a quelques informations qui commencent à être glanées quand même pour le joueur de chez Prime. Logiquement, il fait un maraudeur, c'est très bien. L'info que tu peux pas call, c'est qu'il y a le bureau. Ouais. Faut qu'il chope la Xenagal rapidement, qu'il n'y ait pas de vision sur ses roaches. Hein, parce qu'on le voit, hein, le roach bureau qui arrive même avant le speed. Hein. Ouais, bah. Donc c'est bien, il prend la Xel. Il va avoir l'upgrade ici. Et du coup, c'est un petit roach bureau. C'est pas le gros lean où tu fais 25 roaches sur 40 drones. Il prend des risques ici à se montrer, hein, je trouve. Ouais, mais à un moment, faut te rapprocher parce qu'en fouille sans la speed. C'est pas dégueulasse, hein. C'est pas fou. Non, mais c'est pas fou, mais. Ouais. Là, la logique, c'est de rentrer tous les roaches dans les deux premières bases. Les renforts pourront toujours arriver dans la B3. Yoda, il a un scan. Bon, il a pas de scan en fait. Est-ce qu'il y a un scan sur sa B3? Ouais. Ok. Yoda. Est-ce qu'il le voit? Il est en train de chasser l'over, du coup, il est. Ouais, il est pas du tout. T'es à la fois dessus, mais t'es. Oh! Ah, Yoda qui le voit! Yoda le talent. Ça se voit les roaches bureaux, c'est pas évident mais ça se voit. Et là c'est la lose. Ouais, c'est pas très bon. Alors, enfin, tu me diras, y a pas d'autre scan. Si, y a un autre scan. Ouais mais ok. Avec des arts groupés, c'est dommage. Il aurait pu rester en haut du truc. Lego Pneux Mitouralité, Jean-Pierre Gaillard enquêté et c'est tout de suite sur Gaming. Effectivement, non mais y'aura un émote pneus, hein, les gars. Je cherchais pas. Hein. Mais je pense que. Nuit. Ouais, à partir du moment où Tude va valider, ouais, ça va nous aider. Il valide pas pour l'instant le pneu Oui, la discussion qui a eu lieu la dernière fois. Voilà, que le pneu est quand même mieux que le pneu. Mais
Moi, ce que je trouve pas en fait dans ce café Armani, c'est que le commit est pas ouf. C'est vrai. Il y a pas tant de cafards que ça. Ça tu a claqué quoi, 3 scans. Ça lève la B3. Et franchement, il a 66 drones. Je pense qu'il bourre. Full unit. Par contre, il y a le méga dome drop dans la main. C'est ça. Et pour l'instant, c'est pas vu. Hein. La semaine est en train de se finir. Et heureusement, ça va passer sur cette over. Et heureusement aussi. On boost. C'est parti. C'est parti. C'est vu par Armani qui sait ce qui lui arrive. Par contre, du coup, il va réactiver les roses dans la B1 avant de défendre le drop. Ça, j'adhère. J'adhère à mort. Il n'y a pas tant de maraudeurs que ça. Et du coup, ça peut défendre pour Armani. Attention quand même, le steam qui est envoyé. Oh, ça va tenir. J'ai l'impression que ça va tenir pour Armani. Il faut faire péter les transfuses. Une coup de KT Bureau pendant ce temps-là. C'est en train de défendre. Et dans la main, il fait du dégât. Attention. Ouais, ça défend. Et les Hydra qui sortent. Et là, il est tellement bien, Armani. Oh là 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 là. Et ce que j'adore avec son build, en fait, tu ralentis tellement. Tu fais péter des scans. T'as des civils qui bougent de partout. La B3 qui est toujours pas vraiment en train de miner. Toujours pas du tout, c'est sûrement. Et il y a toujours 3 roses dans la main, hein. Et tu, finalement, un bureau, c'est juste bien quand tu fais des cafards, de toute façon, quoi. Ouais, disons-le clairement, il n'y a pas de question à se poser ici. Marine Marauder de la part de Yoda qui sont en train de s'approcher au milieu de la carte pour essayer de se débarrasser d'un maximum de creep, toujours plus de SCV qui tombent dans la main. Et là, franchement, c'est un truc de ouf. C'est insupportable, et à chaque fois, c'est 362 minerais. Une mule. Et ici, mais il va même pouvoir choper le Marauder, peut-être même les marines supplémentaires. Ouais, il renterre son cafard, et celui qui enterre, il va pouvoir se barrer. Le scan est fini. Armani avec des grosses mécaniques sur ce coup-là. Ouais. Et c'est allé trop vite pour Yoda. Ça macro très très bien, 15 roues supplémentaires qui vont quasiment compléter le max du joueur Zerg. J'ai envie de dire que c'est un gros cafard parce que franchement 67 drones, full roach. Aucune subtilité, mais alors qu'est-ce que c'est fort. Très très fort. Vous demanderez des nouvelles de ce type de stratégie à un moment. Qui aimait bien ce genre de truc. Ouais, il aime toujours, je te rassure. Roach Hydra. Plus de carry. Avec le 2-1. Bon, il y a le 2-2 qui va se terminer, bien timé quand même pour le joueur Terran, donc ça fait les affaires de Yoda. Mais Yoda. Il y a tellement d'unités quoi. Il y a tellement. Et le problème c'est que, genre, quand tu joues sans tank, il faut plus. Il faut avoir plus, et là Yoda il a juste pas plus. Il va prendre une fight, attention, là il n'y a pas vraiment de concave pour Armani, très très bien ce qu'il est en train de faire. Et du coup on a une bonne masse de cafards qui attaquent, et surtout les Hydra qui vont apporter tellement de DPS. Voilà, le plus de dana qui s'est terminé, les mines qui sont pas très efficaces contre Roach Hydra. Et la fight qui est en train de passer gravement à l'avantage du joueur Samsung. Les Hydra qui DPS tellement fort, et la B3 qui est brisée. Et avec ça, les rêves de Prime peut-être d'une deuxième victoire dans un clan war, ça aurait peut-être pu être possible, mais là... C'est refusé par Armani qui joue très très bien avec une strat vraiment innovante. Ouais, trop de cafards sur le deuxième temps. Hein. Les Hydra aussi sortis assez rapidement et du coup là pour Yoda c'est la fin, il a juste pas la masse critique. Bientôt plus de SIV avec cette nouvelle donation. Et ça va être le GG. Et l'avantage pour Samsung, GG, bravo pour Armani ici, très 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 bien joué. Une strat Roach Bureau très très très... Et franchement, innovante mais surtout très risquée. Ouais. Qui paye à mort en dépit d'un début de partie où quand même il le voit arriver, il le scanne le truc. Ça fail et ça paye, c'est ça qui est ouf. Ouais. C'est juste derrière, si tu joues vraiment vite, plus vite que ton adversaire, t'arrives à rentabiliser. Il deny, il a jamais vraiment miné sur sa B3 le pauvre Yoda dans cette affaire. Et quand son Doom Drop dans la main ne gagne pas la partie, ben c'est compliqué. Et c'est d'autant plus compliqué pour Prime que c'est Tang Tang qui arrive. Il a gagné une carte Tang Tang, hein. Ouais, le problème c'est qu'on te dire. C'est lui c'est le seul à avoir gagné une carte pour Prime dans le round. Enfin, c'est lui qui a gagné la semaine dernière en fait. Non, je dis de la merde. Non, je dis complètement de la merde. Moi, Tang Tang, je me souviens pas. Non, ils ont pris 0-3. Non, Tang Tang a gagné une carte sur le dernier clan war. Alors, moi, ça me dit rien. Du round 3. Moi, Tang Tang qui gagne, ça me dit rien. Après, je regarde pas forcément tout le temps, toutes les games. Pas forcément le temps, malheureusement. Ou alors, où est-ce que j'ai. Non, mais j'ai vu Tang Tang gagner. Hein. Tang Tang est pas sur ma Swatch aussi. Bah, on va voir. En GSL peut-être. Je sais pas. En tout cas, j'ai le souvenir d'une victoire de Tang Tang récemment. Le problème, tu l'as dit, c'est qu'il va jouer DR, un des piliers de Samsung. En tout cas, en devenir, il faut qu'il y en ait un qui prenne les rênes de Samsung, tout c'est simplement. Ça. Pour dire, il joue la bonne race, tout va bien. Il y a une petite histoire avec ça, c'est bon, je te rassure, Tang Tang n'a pas gagné en Pro League. Ok, j'ai dit des bêtises. T'as dû voir. Où est-ce que je l'ai vu gagner une game? Ou alors c'est Bifor, peut-être. Parce qu'en fait, le truc de voir gagner une game de Tang Tang, faut regarder des trucs un peu underground quand même. T'es en train de mettre. Non mais concrètement, il est pas en Coda, il est pas en Star League, et il gagne pas en Pro League. Donc soit t'es arrivé à regarder un qualifier genre Star League,
Ouais. Soit une Holy Moly, une Lefeng ou une Cup Online. Ouais, c'est vrai que c'est les seules possibilités. Donc peut-être que j'ai complètement rêvé et que j'ai confondu Tang Tang avec la possibilité pour Bibung de gagner des games. Ce qui lui arrive. Ouais. Piri SC2. Bah tiens, est-ce que ce serait le vrai Piri? Le vrai Piri qui rocks du Gnutu? On va s'intéresser. En tout cas, bienvenue dans le clan des subscribers au gaming où on se met tous bien. 47-41 pour dire, tiens, très très bonne stat. Alors tu vas confirmer, mais il y a Linora qui demande, au gaming, casse jamais du mode Archon. Déjà, on casse du mode Archon qui perd parfois en finale de l'OGSL. C'est vrai. Et ensuite, on a un event Red Bull qui est prévu et c'est bien celui où ils font du mode Archon. Exactement. De toute façon, Red Bull, sur cette année, ils font que de l'Archon mode. Et bah, du coup, on a le plus gros event en Archon sur la bêta qui arrive sur O-Gaming. Donc, il y aura bien du mode Archon sur O-Gaming avec du full core hein, quasiment, je pense. Ou des binômes core top foreigner. C'est ça. Grosso modo, c'est ça les équipes en présence. Du très très lourd. Ah tiens, Badir a déjà joué contre Tang Tang. Et l'a battu, logiquement. Tang Tang a perdu une game. Jusqu'ici, pas de problème. Il n'y a pas de souci. Dire le Protoss de chez Samsung qui va rentrer en lice pour une victoire de son équipe. Mais oui, Tang Tang qui avait mis 2-0 à Zest en qualifier pour le Coda en GSL saison 2. C'est la grosse win. C'est à ça que je pensais. Le problème, c'est que ça fait 3 mois, du coup, la hype est redescendue. C'est vrai. Mais moi, tu vois, elle est encore bien présente. Tu vois, je vois Tang Tang après, tu fais, attends, mais il a gagné une game qu'il devait pas gagner déjà. Ouais. Ah oui, c'est ça. Puis il en a gagné 2, il a gagné le BO3. C'est ça. Ce génie, ouais. Bien sûr. Donc on va terminer sur un TVP ici, ou en tout cas, je dis terminé. Excusez-moi, désolé Tang Tang. Quatrième carte, en tout cas, en TVP. Le pire, on connaît vraiment pas le résultat, c'est pas le lapsus, c'est juste Prime qui joue. Yanné, on va voir. En tout cas, pour Tang Tang, en plus, il va jouer sur Echo. Et je pense qu'il va falloir être créatif, on va dire. Pardon, c'est gratuit. Il était parfaitement en même temps. Hein. Ouais. Du coup, t'as entièrement masqué le... Ouais, non, mais il est mieux le mien. Okay. Évidemment. Donc ouais, on est sur Echo, et pas forcément la meilleure map qui soit pour jouer le TVP quand vous êtes Terran. Et ici... Il y a un joueur qui a une mission. La mission peut-être de gagner son premier match pour un rookie. La Pro League, il est à 0-3 pour le moment. C'est Tang Tang ! La hype est bien présente. Et en haut à gauche de la map pour Samsung, histoire de clore un clan war qui aurait dû déjà être terminé. Il s'agit de dire. Ouais, Hurricane, il a pas gagné des points. Hein. Non. Bah non, hein. C'est lui qui a failli nous faire dire putain merde, ouais. Prime va gagner un clan war. Mais c'est en même temps on s'excite toujours trop vite. Hein. Mais là, énorme. Prime a gagné une game, tout est possible. Ça a peut-être une deuxième, puis une troisième. Non, ça fait trop. Alors, Tang Tang, en bas à droite, ici, sur Echo, une map. Je vous mentionnais hein, l'avantage relatif, hein, mais relatif du Protoss contre Terran sur cette carte. Pas une map très favorable au drop. Nécessairement, et avec un setup 3 bases qui est très très bien défendu les uns à la suite des autres, donc un jeu qui fait plutôt les affaires de la race Protoss en règle générale. C'est ça. Ça marche bien pour Chouchou, ceci dit, c'est pas trop mal. C'est pas la map la plus dégueulasse pour Chouchou, mais est-ce que c'est pas la meilleure non plus hein. Non, mais ce qui est bien en fait, c'est que t'as vachement de place pour manœuvrer avec tes Vikings même autour de la B2. Si le mec blink d'un côté, tu peux les déplacer et avoir quelque chose de gratuit. Après, faut quand même monter la ronde, donc plutôt un Chouchou avec des ghosts. Sauf quand tu joues des génies qui font pas de sentry. Le terme génie a été utilisé, attention. Ouais. Je mentionnais à personne, mais j'ai des bonnes idées. Le Command Center Force envoyé de la part de Tang Tang. Ouais, Tang Tang qui ne connaît pas la peur. Ah bah non. Non, mais je veux dire, on en est plus là. Bah, de toute façon, quand tu t'appelles Tang Tang, qu'est-ce que tu crains vraiment? C'est vrai. Même pas Zest, même pas des biceps, du coup. Ah non, bah ça. Zest is best, les gros biceps de Zest, t'en as rien à foutre. T'en as rien à foutre, mec, quand tu t'appelles Tang Tang. Tu sais c'est first, tu racks gaz, enfin voilà, il est où le problème là? Où sont les complexes? De toute façon, franchement quand il y a des complexes, c'est jamais très agréable. Ceci dit, hein, tu regardes ce que fait Maru, là pour l'instant on est dans du copier-coller. Bon, quelque chose me dit que ça va pas durer une éternité le copier-coller avec Maru, mais on ne sait jamais. Quand il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir les gars. Faut y aller, hein. Faut se faire plaisir. Une fois par semaine, ils ont le droit de se faire étrier en Pro League. Et là c'est au tour de Tang Tang pour brosser un petit peu son ratio de 0% de victoire. Ça, mais après franchement, faut dire autre chose, 0-3 c'est pas encore catastrophique. Non, carrément pas. Il y a des joueurs qui mettent du temps à gagner une game. Bah, tu sais, quand tu y penses, Solar avec son 1-13, il fait pas beaucoup mieux. Ah, ouais, c'est ça. Mais je crois qu'il a gagné. Non, il a mis du temps à gagner.
Mais voilà, tout le monde ne fait pas comme Guilty à taper TY sur son premier match dans son meilleur match-up. Avant de se faire attrayer par Dark, oui, le joueur Samsung a joué deux games. A joué TY et Dark, et il est 1-1, c'est pas mal. Solide. Par contre, c'était moche contre Dark. Hein. Beaucoup trop de cafards en fouille, pour le coup. Ils avaient pas été vus. Alright, double orbital ambulancé, Nexus qui se termine. Deuxième assimilateur. Alors, comment tu sens le choix d'un mec comme Dirdir? C'est un homme de la Stargate quand même. Ouais, Stargate ou Blink. C'est clairement pas un homme de la robot en tout cas. La robot ça vient après et je dirais qu'il y a rien de mieux que Stargate quand t'es meilleur. Également. Au moins ça te donne la détection. La factory qui arrive très vite et le deuxième gaz également. Ouais, le grid. D'ailleurs, la robot. C'est bien si tu dis quelque chose deux minutes après t'as tort. Et alors par contre Tank Tank, ce réacteur là. C'est le réacteur, salut, si tu fais un oracle j'ai perdu. Non mais c'est ouf quand même. Ouais, moi quand je le fais je perds. Hein. Bah oui, non mais mec. Et t'es censé perdre. Faut pas se poser de questions, hein. Quand tu retentes un truc ultra gourmand que t'as vu durant une game de Pro League, généralement ton adversaire, le mec random du ladder 06, il te punit direct quoi. Ouais, bah random du ladder 06 barcode Protoss. C'est ça. Celui-là on a tous vu. Il fait toujours la même chose. La facto qui va prendre position sur le réacteur, qu'est-ce qu'il nous fait? Double mine. Avec double. S'il fait double mine, peut-être qu'il y a moyen de défendre un oracle sur les deux séquences. 5 minutes 45. Pas le plus rapide de tous les oracles, d'autant qu'il a pas scouté du tout Tank Tank. Hein. Donc voilà, mais contre peut-être un oracle standard, tu fais double mine, t'en as une dans chaque type de minerai, ça te dérange moins. Il y a une mine et un Hélion, donc bon. Oui voilà, non mais là oui. Ouais. Non mais je pense à un moment aussi c'est bien de s'assumer, c'est-à-dire quand t'es en train de prendre des risques, faut. Savoir arrêter le curseur, mais tu peux le pousser très très loin si tu penses que t'en as besoin. Et c'est ce qu'il est en train de faire, Tank Tank. Et franchement, des fois. Après, il paye sa tourelle, il a sa mine, il défend un oracle sur une Stargate. Normal. Pas trop tôt. Et derrière, il a un steam assez rapide. Je suis pas ultra fan de ces BO perso. Tu payes ta facto, puis tu payes ton steam. Mais c'est vrai. Oui, où tu ambiances pas directement la Starport derrière. Mais ouais, c'était Deshi qui jouait vachement comme ça. Ouais, Journey aussi. Bah, les terrains un peu défensifs, pour le coup. Où tu te dis, si j'arrive à prendre une grosse masse de bio au mid-game, je suis bien. Et par contre, là, dire, il y a moyen qu'il soit dit que c'est soit le temps d'être devant du rêve. Oh là. Oh là. Il est peut-être l'heure du drop Colossus. Bah, franchement, quand tu vois la rally point du War Prism, j'y crois vraiment. Hein. Ouais, non, carrément. Ouais. Chez moi. Avec la speed, s'il te plaît, c'est beaucoup plus drôle avec la speed que ça. Je pense que c'est ce qu'il va faire. Hein. D'ailleurs, est-ce que tu peux vraiment drop Colossus sans la speed War Prism, c'est vraiment prendre des risques. Hein. Ouais, c'est beaucoup trop risqué parce que démarrer avec le steam te deny un peu. Alors, est-ce qu'il all-in derrière? Parce que t'as une variante, tu mets 7 gate et tu warp des zélotes. Ah, mais il a le bata Colossus quand même. Non, mais derrière ton colosse. Ah oui, d'accord, ok. Allez. Colosse. Mais il n'y a que 2 gates supplémentaires donc ça va pas ça. En tout cas, faut faire un upgrade là-dessus, t'en as deux à faire, donc faut commencer tôt. Pour l'instant, pas d'upgrade, surtout des gates supplémentaires. Le pylône pour éviter d'être supply block aussi. C'est plutôt pas mauvais. La forge qui prend position. Mais sérieusement, il va sérieusement le faire sans rien. Parce que sans l'un des deux, ça me semble compliqué. Bah, j'ai l'impression que ça part vers là. Hein. Ouais. Bizarre. Manque de respect. Ou alors c'est vraiment très très court à faire l'upgrade War Prism. Voilà. Ah. 80 secondes, si tu chrono boost, ça va. Hein, oui, non, carrément en fait. Ça va aller très bien. Il va l'avoir au moment où elle sera vraiment opportune, cette speed War Prism. T'en as besoin au moment où tu vas pick up ton colosse pour te barrer. Avant, ça sert à rien. Enfin, ça te fait arriver 10 secondes plus tôt. Et lui, ça lui a permis quand même de monter un compte de sentry plutôt healthy. Ouais, qui permet un de scooter et deux de force suite ta rampe parce que t'as quand même. T'es quand même à poil. Hein, ouais, t'as trois scooters et de l'autre côté de la carte, mec. Et le plus un dernier. Franchement, dire c'est bien. C'est important des fois de rappeler que tu es un génie aussi. Enfin, tu as été. Et ça serait bien de le retenir. Bon, en tout cas pour Samsung ça ferait leurs affaires, c'est clair. Pour chrono booster peut-être un petit peu plus l'upgrade, il choisit plutôt de chrono booster son Colossus numéro 2. Et il est en train de sortir. Oh là là, parfait. Franchement le timing est très très bon par contre. Et le Phoenix halluciné servait aussi à confirmer ça. Dans tous les cas, la sortie. Et là, have fun. Ah bah tu spin, mais qu'est-ce que t'es loin? Tu vois deux zélotes histoire d'être pénible. Oh là 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 là. Allez micro un peu mieux. La pression. Allez, micro en premier. Non mais sérieusement, tu peux dodge les shots de Marauder. Tous les shots de Marauder, je suis d'accord. Là, c'est deux civils qui étaient dans l'orange, j'avais peut-être moyen de les gérer. La Speed War Prism qui s'est terminée. Il va perdre le Colossus. Il va le perdre. Oh, il va perdre le War Prism et le Colossus. Bon. Bon. La hype est un petit peu moins réelle. Ouais, parce que là, c'est compliqué de repayer un War Prism. Dans cette affaire, il a annulé le push, il a deny
Là, bah, c'est pas dégueulasse non plus, on est d'accord. Il prend 3 SCV, 2 maraudeurs, 2 maraudeurs. Enfin, ouais, même si c'est quand même un peu coûteux. Ouais, ce qui surtout qu'il prend un drop mine derrière. Ce qu'il gagne vraiment, c'est du temps en fait. Par contre, là, je suis pas convaincu qu'il avait un obs à domicile. Ok, ça revient. Mais ça gagne du temps pour sa B3. B3 qui aurait été bien en douleur face à toute la bio, plus les Medivac. Ouais, ça lui a quand même coûté. Un War Prism, 2 Zélotes, 1 Colossus. C'est pas forcément le move que tu veux pour faire back. Enfin, le War Prism standard, le War Prism nature avec 5 Zélotes aurait fait backer la même chose. Ça. Disons que les points du swag ne compensent pas le manque d'exécution, tu vois. Et puis là, on a aussi une range Colossus qui est bien tarde, bien tardive. Hein. Ouais. Mais c'est dommage. Par contre, il a pété le caillou très très tôt dans cette game avec ses 3 premiers stalkers, ce que je trouve très très intelligent. Il lui reste ses 3 sentries. Il peut pas rentrer là-dedans n'importe comment non plus. Ouais. Le joueur Terran Tang Tang ici qui steam et qui recule. Et Tang Tang va all-in. Parce qu'une Ghost Academy. Timing là, mais le problème. Enfin. Ou alors. En fait, elle a aucune raison d'être là, cette Ghost Academy, dans tous les cas. Il a pas assez de Viking pour vraiment passer comme un gros port. Ce que tu veux faire. Puisqu'il y a un seul Starport. C'est ça. Et du coup. C'est pas non plus comme si la Storm était là, même si Dire paye très très vite ton archive. La Ghost Academy, tu l'as fini, 40 secondes plus tard, t'as un Ghost avec un EMP sur le champ de bataille. La Storm, ouais. C'est une autre histoire. C'est ça. Et la Storm, il faut payer le bat qui est long, et il faut payer l'upgrade qui est long également, qui coûte de l'argent. Et ton Templar, il est pas full mana direct. C'est ça. Et ce qui du coup la coûte en fait, ce qui manque, c'est la fucking deuxième Starport. T'es censé faire tes Vikings 4x4, parce que quand t'auras 8 Vikings, il y aura beau avoir que 2 ou 3 Colosses en face, c'est pas fou. Il y en a combien d'ailleurs des Colosses? Il en a refait 3. Ouais, 3. L'idée étant de partir quand même quand ça se finit, hein, cette affaire. Quand les 3 Ghosts se terminent. Ouais. Et là, il est pas vraiment en train de partir. Alors, ouais, en plus, bon. Il y a un Ops qui voit tout et tout. C'est après, horreur, le truc cool avec les Ghosts en les faisant si tôt, t'auras de l'énergie, t'auras peut-être 2 EMP. J'y crois, 2 EMP d'ailleurs, avec le temps de trajet. Mais ouais, l'Ops qui voit tout, ça pose problème parce que là, il y a un Dire qui est là. Lol. Même, il n'y a pas énormément de pop quoi. Chez Dire ou chez... Chez Tang Tang. Bah il y a la moitié de son armée qui se balade là-bas quand même. Oui, ouais, oui. Mais non, je suis d'accord. D'un autre côté, chez Dire, on paye quand même ce War Prism. Hein. Ouais, ouais, non, carrément. Au niveau du compte d'unité, on est très très late. 3 Colossus, il va y avoir la Storm. On a 8 gates. 8 gates, c'est un bon compte. 10 avec les dents production. Ouais, franchement, il est bien. Enfin, en même temps, tu l'as mentionné, l'Ops qui voit tout. Et le Chouchou, mais il y a... Moi, ce qui me fait peur en fait, c'est qu'il peut juste perdre tous ses Vikings. Les 3 Colosses, genre s'il se fait stormer ses Vikings, ils vont tous mourir. Les Colosses vont vivre, vont le raser. Va falloir en produire du Stalker par contre, il est très très light au niveau du nombre. Ah, il y en a 3. Wow. En fait, il a abandonné ses Colosses. Concrètement, c'est ce qu'il vient de faire. Il va laisser ses Colosses crever parce qu'il y a 3 Stalkers, il est déjà en train de faire des Immortels et il a 7 Templars. Avec la Storm. Par contre là. Oh, wow, gros Storm sur la rampe. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Il reste quand même 3 EMP. Est-ce qu'il peut la toucher? Oh, il n'y aura plus de force field, il n'y aura plus de guarded shield s'il y a 2 force field, mais là il y a trop de storm. Ouais, il y a trop de storm, attention, la charge, est-ce qu'elle est finie? C'est pas encore fait. Hein. La charge est finie, ouais. c'est pas gagné. Les Zélotes qui warp, qui sont warpés sur le flanc ouest, l'Arconte qui pop au milieu de la fight, ça c'est très très bien. Les Immortels qui rajoutent au DPS. Est-ce qu'il y a le Colosse qui va rester en vie? Il y a les 2 Immortels, il y a tous les chargeotes qui vont revenir. Ah, c'est bon pour Samsung. Ça va défendre. Et hélas pour Tang Tang. C'est la variante, j'ai un 3 MCC dont je me suis jamais servi à part pour produire des CV. Qui peut pas se lane parce qu'il y a un Zélote. C'est un peu gênant. Hein. C'est... ouais. De toute façon, un SCV pool en Pro League qui rate, c'est toujours gênant, je trouve. Ouais, enfin celui-là était... comment dire... était vraiment pas terrible. Disons que... En fait, GG. Voilà, GG. Il y a une chose de rater l'exécution. Mais même le build order qui arrive à ça, c'est... Le build order est pas ouf, quoi. Je trouve pas qu'il ait une masse d'unités incroyable. Alors oui, il part à 14-30, qui est un timing qui a du sens globalement, parce que ouais, c'est vraiment ça. Celui sur lequel, autour duquel on voit tous les SCV pool. J'ai envie de dire, en innovation, un flash, ils ont 200 de pop à ce moment-là, quand ils t'envoient leur SCV. Et là, t'as beau avoir des storms, si t'as rien au sol, à un moment, il y aura trop de bio, ça va absorber les storms. T'as beau avoir des EMP du coup. Ouais. Ouais. Non, je veux dire, t'as beau avoir là et dire avec des storms en vrai. Hein. Il y avait rien au sol. Mais bon, t'as 7 Templars avec des Storms, ça fait la diff quand il y a aussi peu de bio. Et du coup, Samsung, une petite frayeur quand même avec Hurricane qui s'est lamentablement foiré. Oula. Et un Tang Tang pas content. Hein, il a pas l'air très satisfait de sa performance là. Ouais. Le phénomène. Pourquoi l'absence de deuxième Starport? C'est ça. Et franchement, le troisième CC, quand tu le poses de 6 stars, tu le fais pas quoi. C'est soit tu veux très bien faire celui d'innovation qui reste sur deux bases. Hein. Ouais.
C'est dommage pour Tank Tank parce que tu sens que voilà, c'est pas complètement mauvais. Il y avait des bons trucs. Hein. La défense avait la défense sur le Colosse, elle est très très bonne sur le Drop Colosse. Il back immédiatement. Il steam instantanément, il revient et ensuite il kite un War Prism. Enfin, je veux dire, tout le monde sait le faire. Je peux le faire aussi bien que lui. On est d'accord. C'est bon. Je sais que c'est un manque de respect de dire ça et je pense qu'il y a des gens qui peuvent être frustrés. D'ailleurs, je suis désolé de le dire. J'espère que ça va pas être mal pris, mais. Je veux dire, Tank Tank est un joueur professionnel, il joue toutes les semaines en Pro League, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais là, globalement, le build n'est pas bon, l'exécution n'est pas bonne. Oui, on peut s'accrocher aux branches en disant qu'il a tenu un drop Colossus, quoi. Mais ça reste un drop Colossus, ça reste le manque de respect. Ouais. Puis tu vois le grand écart, et je pense que vivement que les Chinois reviennent, entre un Keen et Tank Tank. Oui, Keen, voilà. Je pense qu'il ne perd jamais en practice contre Tank Tank. C'est possible. Parce qu'en TVT, ça reste solide. Bref, tout ça pour dire que pendant que Jeannot BDF se met bien. Ouais, ouais. Et commence avec l'apéro du coup. Mm-hmm. Ça a de match, Muscadasty. On est bien. Ou allez, bien sûr. Content de voir que tu passes une bonne soirée. 3-1, victoire de Samsung dans ce troisième clan war sur les quatre qu'on vivra ce soir. Et il se trouve que pour ce dernier match, on a une petite surprise pour vous. On a la qualité, le meilleur match de cette semaine. C'est Jiner contre SK Telecom. Et ça va péter très très fort. Vous l'avez compris, on a terminé le clan war, donc du coup on va faire une page de réclame et on se retrouve tout de suite après pour SKT versus Jiner. Hypez-vous les enfants.